Hey, salut tout le monde, c'est SuperWoW69, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Et donc comme vous avez pu voir au titre, et bien en fait il y a une nouvelle moto qui est apparue dans GTA. Alors à quelle occasion, j'en ai aucune idée. Mais donc comme vous avez pu voir, et bien on va faire la customisation de cette moto. Donc c'est une moto qui s'appelle la Pegasi SK. Donc c'est parti, et bien je vous laisse sur ces images et en musique. Et on se retrouve après la customisation. Allez, ciao. Et donc voilà, donc vous pouvez voir que j'ai customisé donc la moto. Alors c'est parti, donc on va un petit peu la tester, voir comment elle se débrouille niveau vitesse, tout ça. Alors déjà elle a l'air de lever la roue un peu pas mal, ouais. Ouais, ça va bien mieux comme parce qu'il faut voir, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas une moto avec laquelle on peut faire des stunts. Parce que c'est vrai que ces dernières motos, bah elle levait pas trop la roue, mais enfin celle-ci elle a l'air déjà de lever un peu plus la roue que certaines d'autres motos. Bon, après la vitesse par contre elle est pas très flagrante. La Tron, enfin la moto de Tron va largement plus vite. Voilà, bon après ça reste une simple moto comme les autres, hein. Je veux dire, c'est pas non plus des moteurs avec lesquels tu vas faire des courses, hein. Ouais, sans plus quoi. Voilà, voilà, donc là c'était un petit test de la moto et la customisation. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.